Bonjour. Votre émission d'aujourd'hui, la 12e, s'inscrit dans les lumières de la Nativité du Christ. Ce grand prêtre souverain qui, selon la parole de Paul aux Hébreux, a traversé les cieux, visibles et invisibles, pour épouser notre condition humaine et nous élever de nouveau vers les hauteurs de la connaissance divine. Nous saluerons en premier la naissance d'un nouveau saint de l'Église orthodoxe, l'ancien Porphyre, un des plus remarquables spirituels orthodoxes du XXe siècle, d'origine grecque, dont la sainteté vient d'être proclamée par le patriarcat de Constantinople le 27 novembre dernier, 23 ans après sa dormition en 1991. L'entretien avec l'archiprêtre Marc-Antoine de Costa de Beauregard portera sur la nativité dans les écrits des pères et sur son sens dans le monde d'aujourd'hui. Le reportage revient sur l'exposition de l'incarnation à la résurrection de l'artiste orthodoxe biélorusse Irina Kotova, qui relie spirituellement dans les œuvres exposées la Pâque d'hiver, la nativité du Christ, à la Pâque de printemps, sa résurrection. Puis après l'actualité orthodoxe, dans le lexicon, on parlera un peu de la théophanie indissociable de la nativité. Bonne émission à tous. Sur les hauteurs de leur vie spirituelle, les saints, disait le métropolitologe, n'ont-ils pas franchi les murs qui nous séparent, ces murs qui, selon cette belle parole du métropolite Platon de Kiev, ne montent pas jusqu'au ciel. À l'image du Christ qui a traversé les cieux pour épouser notre condition humaine, les saints, comme l'ancien Porphyre, traversent aussi les frontières les plus ardues pour aller à la rencontre du Christ et nous tracer un chemin d'exemplarité à suivre. Porphyre naquit en Grèce en 1906. Il fut un des plus célèbres pères spirituels contemporains. Sa sainteté vient d'être proclamée solennellement par le patriarcat de Constantinople le 27 novembre, soit 23 ans après sa dormition en Christ le 2 décembre 1991, date choisie pour le commémorer. Natif du village d'Akios Ioannis en Eubée, deuxième plus grande île de la mer Égée, Evangelos Bayraktis était attiré par le monachisme dès son plus jeune âge. Il partit à l'âge de 13 ans au skit de la Sainte Trinité situé à Kavso Kalivia, sur le mont Athos, où il vécut encore environ 6 ans dans l'obéissance à deux grands moines, Deironda très connus de la Sainte Montagne. Il y reçut le nom monastique de Nicétas. Ensuite, en raison du santé fragile, il est revenu à Eubée, où il vécut au monastère Saint Charalambos à Levka. À l'âge de 20 ans, il rencontre l'archevêque Porphyre III, primat de l'Église orthodoxe du Sinaï, dont le siège est au monastère Sainte-Catherine, qui décèle en lui des charismes spirituels et l'ordonna prêtre en lui donnant signe de grande attention spirituelle son propre nom de Porphyre. Lorsque le monastère Sainte-Charalambos devient un monastère féminin, il s'installa au monastère Saint-Nicolaos à Anovapia, en Eubée également. En 1940, à l'âge de 34 ans, on le retrouve à Athènes, comme aumônier de l'église Saint-Gérasime à la Polynique d'Athènes, près de la place Omonia. En 1973, il quitta ce poste pour s'installer d'abord à Kalissia, près de Pendeli, dans la banlieue d'Athènes. Après quelques années, il fonda le monastère de la Transfiguration à Milesi. En novembre 1991, il revint dans son ancienne cellule sur le mont Athos, où il a voulu passer vers le visage des visages. Il décéda en décembre de la même année. De son vivant, ses grands dons de discernement et de prévoyance étaient largement reconnus et sa sainteté était partagée par des centaines de ses enfants spirituels et disciples, mais aussi par des pères spirituels de la Sainte Montagne. Il reçut des milliers de visiteurs, venus du monde entier, auxquels il a prodigué conseils et consolations, encouragés et fortifiés par la grâce divine qui rayonnait de sa personne. Deux volumes de la grande collection spirituelle orthodoxe du XXe siècle, aux éditions L'Âge d'Homme, lui sont consacrés. Père Porphyre, vie et parole, et Père Porphyre, anthologie de conseils. Un autre livre, La Flamme divine, édité par le monastère de Solon en France, lui est également dédié. Les saints ne sont pas une catégorie à part dans l'Église, même s'ils le deviennent en fructifiant la semence de la sainteté offerte à chacun de nous. Pendant la liturgie, le célébrant proclame « Les choses saintes sont pour les saints ». Et les fidèles répondent « Un seul est saint, un seul est Seigneur, Jésus-Christ à la gloire de Dieu le Père. Amen ». Toute sainteté, comme celle de Porphyre, est donc dans l'Église à l'image de Dieu. Chaque chrétien est un saint par vocation, écrivait saint Paul aux Romains. Les saints sont ceux qui comprennent que la vie éternelle commence dès ici-bas et qui cherchent par leur labeur spirituel et le sacrement du frère à participer pleinement à la sainteté du Seigneur.
Leur vécu devient alors un paradigme, un modèle, une voie pour pérégriner vers le Christ. La voie de la sainteté, c'est-à-dire l'acquisition du Saint-Esprit, est celle des commandements et des béatitudes. L'humilité, l'amour des ennemis, la joie pascale, la prière perpétuelle, la pauvreté, l'éveil, la vigilance dans la lutte contre les passions. C'est ce vécu de l'humilité et de la transparence spirituelle, comme celle qui transparaissait du Père Porphyrios, qui permet à la lumière de Dieu de luire à travers le saint. Ce n'est plus lui qui vit, mais c'est le Christ qui vit en lui. Le saint devient ainsi un vivant qui sanctifie tout autour de lui et qui permet à Dieu d'accomplir par lui des miracles. La Vierge aujourd'hui enfante celui qui surpasse tous les êtres et la terre offre une grotte à l'inaccessible. Les anges le glorifient avec les bergers et les mages font route avec l'étoile, car il est né petit enfant pour nous, le Dieu d'avant les siècles. Ce chant de la Nativité résume toute la perspective théologique que nous annonce aussi le prologue de l'Évangile de saint Jean. Le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. Par sa Nativité, le Christ, le nouvel Adam, vient racheter l'ancien Adam qui a succombé. Notre théosis, la divinisation, devient de nouveau possible pour l'homme. Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse redevenir Dieu, disaient les pères de l'Église. Saint Jean, dans le prologue de son évangile, nous annonce que la lumière, la vraie, celle qui éclaire tout homme, venait dans le monde. C'est ainsi que l'Église peut chanter « Ta naissance au Christ, notre Dieu, a fait resplendir la lumière de la connaissance ». Les lumières de la nativité préfigurent d'une certaine manière celles de la résurrection. L'étoile qui vient d'en haut brise la noirceur de la grotte, représentation des ténèbres, de la mort et de l'enfer du péché qui seront brisés par le Christ à la résurrection. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue, dit le prologue de saint Jean encore une fois. La nativité est aussi célébration du mystère de la Mère de Dieu, de Marie, Théotokos, et celle qui intercède pour toute l'humanité. N'est-elle pas tournée sur l'icône, vers nous, l'humanité? La nativité est aussi le lieu et le moment du rassemblement de toute l'humanité. Tout converge vers la grotte. Les rois mages, les anges, Salomé qui procède au banc de l'enfant, l'humanité incrédule avec le doute de Joseph, le diable en vieux berger qui le tente, l'ange qui le renseigne et le rassure sur les natures humaines et divines de Jésus. Pour parler de ces différentes dimensions de la nativité, je reçois l'archiprêtre Marc-Antoine Costa de Beauregard de l'Église orthodoxe roumaine de France, agrégé de lettres classiques, ancien professeur de lycée, docteur en histoire byzantine, docteur en théologie dogmatique de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris et spécialiste de la pensée du père Dimitrou Sinaloé, responsable des études patristiques Saint-Maxime le Confesseur du Centre orthodoxe d'études et de recherche Dimitrou Sinaloé à Paris, qui dépend de la métropole orthodoxe roumaine. Il est auteur de plusieurs publications. Père Marc-Antoine, bonjour. Je voudrais aborder avec vous aujourd'hui peut-être deux volets. Le premier volet, c'est le volet, je dirais patristique et un peu théologique, à travers la pensée des pères qui ont écrit sur la nativité. Et le deuxième volet, ça sera davantage, je dirais, sur la pastorale et ce que nous dit la nativité dans le monde aujourd'hui. Que disent les pères de l'Église sur la nativité? En fait, comme vous l'avez dit en introduction, les pères aussi bien d'Orient que d'Occident, parce qu'en fait, il y a une unité de la tradition patristique, développe ce mystère du Dieu qui se fait homme pour que l'homme puisse être Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit d'accomplir le projet divin qu'on trouve dans la Genèse, qui est de passer de l'image à la ressemblance. Et en fait, l'être humain ne peut pas parvenir à cette ressemblance, qu'on appelle aussi déification, qu'on appelle également sanctification ou divinisation, etc. On ne peut pas arriver à cette ressemblance si on n'a pas le modèle à suivre, en quelque sorte. Le Christ. Voilà. Et donc, le Dieu dans sa miséricorde, parce qu'il faut voir surtout dans la nativité une manifestation de la miséricorde de Dieu, quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est ça qui doit nous toucher, d'ailleurs, cette manifestation de la miséricorde de Dieu. Dieu dans sa miséricorde nous donne le modèle accompli, le modèle ressemblant suivant lequel nous pouvons nous-mêmes nous mettre en route grâce au Saint-Esprit. En fait, je crois que
globalement, disons, il me semble que la pensée des pères, c'est que tout est exprimé, tout est manifesté par le Christ, par le Fils de Dieu fait homme, mais tout peut être après ça réalisé, accompli, mis en œuvre de façon personnelle par chaque croyant, mais à ce moment-là, par l'économie, comme on dit, du Saint-Esprit. Alors, c'est vrai que les pères... c'est une littérature immense, quand on parle des pères de l'Église à propos de la nativité, ce sont des textes très très complexes, généralement des homélies, quelquefois quelques textes polémiques, pas tellement finalement, des textes des conciles, évidemment les déclarations conciliaires, et puis les textes liturgiques. Les textes liturgiques sont ceux que nous utilisons dans l'Église. Romain le Mélode. Voilà, des textes de Romain le Mélode, qui sont justement le conducteur de la fête, la Vierge aujourd'hui. Ça sont des textes de Saint Romain le Mélode qui sont très très beaux, qui sont d'une profondeur théologique et mystique exceptionnelle, et qui tous expriment ça, ce projet, qui est un projet divin, c'est ça qui est intéressant. Et nous, les humains, et ça, il faut le redire à notre époque aussi, nous sommes, gratifiés d'un projet divin pour nous et à notre égard. Nous sommes l'objet de la miséricorde de Dieu dans ce sens-là. Justement, que nous dit aujourd'hui la nativité à l'homme d'aujourd'hui, par rapport à ses contraintes, par rapport à ses défis? Et il me semble que vous aviez 4 ou 5 points que vous souhaitiez développer là-dessus. Oui, en fait, je pense que ce qui est le plus important, et c'est du père Dimitrius Tanelloé que j'ai appris ça, je crois que le plus important dans le message de la nativité, c'est le message suivant lequel l'être humain apprend qu'il est aimé de Dieu. Je pense qu'il suffirait de dire cela pour aider nos contemporains. De dire, écoutez, tout est difficile, on est bien d'accord. Alors, la vie n'est pas facile pour qui que ce soit aujourd'hui. Il y a beaucoup de crises, beaucoup de difficultés, mais nous sommes aimés de Dieu. Et ça, c'est un grand mystère. Et c'est vrai que cet amour de Dieu pour l'humanité aussi, pour chaque être humain aussi, et pour chaque peuple aussi, puisque les fameux mages, les fameux rois mages dont on parlait tout à l'heure, représentent aussi les cultures, les peuples. Cette espèce d'universalité, d'ouverture extrême à tout homme, à tout type humain, disons, quitte à assumer les conséquences de cette ouverture, d'ailleurs, cette ouverture est l'expression de l'amour de Dieu dans la création et dans l'humanité. C'est-à-dire, en fait, la révélation de Dieu lui-même, parce qu'au fond, Dieu est amour, comme dit saint Jean. Donc, si Dieu se manifeste comme amour, il se manifeste tel qu'il est. Très exactement. Et il y a aussi cette question de Dieu enfant aussi, et le mystère de la Théotokos, de la femme aussi, à l'intérieur même de la nativité. Voilà, ça, je pense que ce sont les deux mystères les plus importants, finalement, quand même dans la nativité. C'est le mystère de l'enfant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'enfant, c'est celui qui est vulnérable, qui est totalement sans défense, qui est à la merci des autres. Et donc Dieu, pour se révéler comme amour, il doit se révéler, il doit rien du tout. Il se révèle comme amour dans son extrême vulnérabilité. Parce qu'un amour qui aurait une forme de pouvoir ne serait plus de l'amour. C'est une humilité extrême. Donc c'est l'humilité extrême, la vulnérabilité extrême, la disponibilité extrême aussi, la pureté extrême aussi. Et le deuxième mystère, c'est la Théotokos, la femme qui est au centre de l'icône. Pour le premier mystère, c'est extrêmement important pour notre époque, parce que tout de même, sans être négatif, on remarque qu'à l'époque actuelle, l'enfant est quand même douloureusement menacé dans nos sociétés, tout de même, ayant le courage de le dire. Et d'autre part, c'est vrai qu'à notre époque, la question du mystère de la femme est posée de manière très très forte. Je pense en particulier depuis l'année dernière, tout le débat qu'il y a eu autour justement de l'hétérosexualité, etc. En fait, ça amène la question, c'est quel est le mystère de la femme? Et le mystère de la femme, il est manifesté dans la personne de la Mère de Dieu. C'est quand même extraordinaire. Alors, d'ailleurs, dans l'icône et dans le récit évangélique, il faut voir que l'homme, là-dedans, le médecin Joseph, a une place tout à fait petite. Donc, il y a quelque chose une place extrêmement réservée. Déjà, il n'est pas le vrai papa, il n'est que le père adoptif. Et il y a une place vraiment très dans l'ombre. Ce qui est mis en avant, c'est la féminité avec tous ses charismes, ces deux charismes fondamentaux qui sont la virginité. Alors ça, il faut dire ce que c'est que la virginité. La virginité, c'est la souveraineté. Par la virginité, la femme échappe à tout pouvoir.
C'était le martyr des premières chrétiennes qui voulaient garder la virginité. On les a persécutées parce que par la virginité, elles échappaient au pouvoir masculin en particulier. Et la virginité, c'est également pour les pères de l'Église, Saint-Grégoire de Nice par exemple, c'est la souveraineté, c'est la possibilité pour l'être humain d'avoir un accès direct à Dieu sans passer par les médiations humaines. Donc c'est absolument révolutionnaire, la virginité. Il y a une question aussi qui est importante, c'est la question de la famille. Dieu s'est incarné dans une famille. Alors ça c'est important aussi, mais c'est parce que aussi pour notre aujourd'hui. Parce qu'on est ici, ce sont aussi des questions actuelles. Les grandes questions de notre époque, c'est l'enfant, la femme famille. Et la famille. Bah, bon. Et on voit que la famille, ce n'est pas comment dire quelque chose de simplement humain. Il se trouve que la famille est devenue un lieu théophanique. Bon, pardon d'employer des gros mots. Manifestation de Dieu. Mais ça fait sérieux de temps en temps. Oui. Une théophanie, c'est la manifestation de Dieu. Il se trouve que Dieu s'est manifesté dans le cadre familial, ce qui est absolument extraordinaire. Il pouvait le faire ailleurs. En dehors. Comment ? Il pouvait le faire en dehors de ce cadre. Ah, oui. Mais il l'a fait dans d'autres circonstances, mais d'une façon privilégiée pour se manifester comme amour vulnérable, comme amour pur, comme amour souverain, comme amour disponible, comme amour toujours jeune. Disons, il l'a fait dans ce cadre, le cadre familial. Et donc, c'est assez important. Ça veut dire que la famille, que c'est pas que nous défendons, je pense pas qu'on défende quoi que ce soit, je dirais qu'on valorise, on magnifie. Là, je pense que nous magnifions quand même la vie familiale dans le christianisme, et c'est très typique du christianisme aussi. La défense de l'enfant, la défense de la femme, la défense de la famille, il faut quand même le dire, ça c'est le christianisme qui l'a apporté. Parce que absolument. Dans l'époque antique, si on étudie un petit peu l'Antiquité, on s'aperçoit que l'enfant, ça comptait pour rien du tout. La femme, excusez-moi, comptait pour pas grand-chose, et la famille était disloquée. Dans l'Empire romain, la famille était ravagée par l'adultère, par le concubinage, par la polygamie, des choses qui nous ravagent à notre temps. Et une quatrième dimension, peut-être, Père, aussi, celle que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est la dimension de l'ouverture à l'humanité. C'est-à-dire les rois mages qui représentent un peu les différentes tribus, les différentes civilisations de l'époque. Donc c'est une incarnation de Dieu, mais qui ne s'adresse pas uniquement à un peuple, mais à l'ensemble de l'universalité. Alors ça, c'est très important, parce que c'est toute la relation entre l'Église et le judaïsme. Oui, qui, moi, personnellement, me préoccupe beaucoup, parce que c'est une relation qui n'a pas été toujours bien formulée, pas bien vécue, qui est souvent très extraordinairement douloureuse, hein, qui est par grande partie de la responsabilité des chrétiens. Bon, il faut balayer devant sa porte. Mais en fait, c'est vrai que c'est une relation délicate. Et c'est à Noël que se fait l'articulation entre Israël et les nations. Et cette articulation, elle se fait dans la paix. Elle se fait historiquement dans la violence, avec tout l'antisémitisme, etc. C'est quand même pas des belles pages. Il faut avouer publiquement à la télévision qu'il y a un péché des chrétiens, un péché historique des chrétiens. Mais le Christ, lui, il opère cette articulation entre Israël, le peuple dans lequel il naît, et les nations qui viennent vers lui. Il fait cette articulation dans la paix, dans la douceur, dans l'innocence et dans l'absence de pouvoir. Je pense qu'il faut plaider pour un christianisme sans pouvoir. C'est tout le sens de la nativité. Oui, et sur cette espérance, je voudrais vraiment... Ça nous fait du bien de revenir à ce qu'est la source quand même de la vie chrétienne. Au fond, le christianisme est très enrichi par l'histoire, par l'institution, etc. Mais si on revient, on se renouvelle, on va dire, c'est du recyclage chrétien qu'on fait à Noël, disons, c'est qu'on revient à ce qui est l'essentiel. Ce qui est l'essentiel. Et à une révélation qui est dénuée de tout pouvoir et de toute entreprise de domination et de totalitarisme. Très bien, merci beaucoup, Père. Merci beaucoup. Merci. Le 10 décembre dernier, l'exposition de l'incarnation à la résurrection de l'artiste biélorusse Irina Kotova a été inaugurée dans la galerie du site orthodoxie.com en présence d'une cinquantaine de personnes. Elle a reçu le soutien de la Mutuelle Saint-Christophe Assurance, de l'ambassade de la République du Bélarus et de l'organisation culturelle orthodoxe russe Zolotoy Vityaz. Cette exposition rassemble des pastels, des dessins au crayon et une eau-forte. Elle se poursuit jusqu'au 11 janvier. Elle s'inscrit dans le cadre d'expositions d'artistes de confession orthodoxe dont les œuvres traduisent la démarche spirituelle. On peut y voir notamment des œuvres en relation avec la nativité, la résurrection du Christ, mais aussi Saint Séraphin de Sarov, des starets, des prophètes, des lieux de culte, etc. Lors du vernissage, le père Christophe Levallois a évoqué brièvement
le parcours d'Irina Kotova de l'Académie des Beaux-Arts à Minsk à l'École pratique des hautes études à Paris, mais aussi quelques-unes de ses expositions marquantes comme au Musée national des Beaux-Arts de Biélorussie en 2010-2011. Pour sa part, Irina Kotova a notamment rappelé qu'elle fut à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge l'élève du père Jivko Panev, qui l'a également beaucoup aidée. Le conseiller culturel à l'ambassade de Biélorussie, Dimitri Verimichik, a souligné qu'Irina Kotova est bien connue en Biélorussie et qu'elle marche dans les traces de ses illustres devanciers de l'école artistique de Paris, comme Chagall, Tsatkine ou encore Soutine. Le père Christophe Levallois a ensuite fait l'analyse d'une des œuvres de l'artiste, une nativité chiasmique. Il a expliqué comment celle-ci met en résonance des mystères relatifs à la naissance et à la mort. Un journaliste de la chaîne de télévision orthodoxe russe Soyouz a filmé et interviewé lors du vernissage pour un reportage sur l'exposition. Dans le cadre de celle-ci, une performance artistique originale aura lieu dans la soirée du 10 janvier prochain. Intitulée « Éternité de l'instant », elle associera dessin, musique et poésie avec Irina Kotova, le pianiste-compositeur français d'origine biélorusse Kirill Zaborov et le père Christophe Levallois. Tatiana, bonjour. Bonjour, Carole. Une rue du 15e arrondissement de Paris portera le nom de Mère Marie Skopskov. Le Conseil de Paris l'a décidé en reconnaissance de l'œuvre socio-caritative de Mère Marie dans cet arrondissement. Née en 1891 à Riga, alors dans l'Empire russe, Mère Marie a effectué sa diaconie monastique en France en soutenant les plus démunis. Son engagement l'a emmenée à mourir dans les camps de concentration le 31 mars 1945. Elle a été canonisée par le patriarcat œcuménique de Constantinople en 2004. Consécration épiscopale de l'archevêque Job de Telmessos. Elle a eu lieu le 30 novembre dans la cathédrale patriarcale Saint-Georges au Fanar, Istanbul. Monseigneur Job a été intronisé à la cathédrale Saint-Alexandre Nevski à Paris le 5 décembre. L'évêque Athénagoras Pechstadt de Sinope, élu métropolite de Belgique. Le Saint-Synode du patriarcat œcuménique l'a élu le 27 novembre dernier pour succéder au métropolite Panteleimon, qui a présenté sa démission le mois dernier. Le rôle des images et la vénération des icônes dans les églises orthodoxes orientales. Ce fut le titre de la conférence donnée le 19 novembre à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge par Christine Chaillot, fondatrice et secrétaire de l'association Dialogue entre orthodoxes et orthodoxes orientaux, dans le cadre de l'assemblée annuelle de cette association. Intervenait également Père Nicolas Ozelin, doyen de l'Institut, et par lettre, le Père Boris Bobrinskoy, président de l'association. Syrie, enlèvement de 12 moniales et 3 orphelines du monastère orthodoxe de Mahaloula. Déjà largement affectée par la situation en Syrie et par l'enlèvement des métropolites d'Alep, Paul Jaziji et Johanna Ibrahim, et de plusieurs prêtres, toujours en captivité depuis avril dernier, le patriarcat d'Antioche a condamné par la bouche du patriarche Jean X l'enlèvement des moniales et des orphelines du monastère Mahaloula qui sont toujours en captivité. Les icônes byzantines célébrées au Petit Palais. Raphaël Ziadeh, responsable du département byzantin du Petit Palais, a donné le 17 décembre dernier une conférence à l'occasion de la parution de son livre « Icônes du Petit Palais ». Nous reviendrons en détail lors d'une prochaine émission sur un des plus importants ensembles d'icônes aujourd'hui présentés au public en France, celui du Petit Palais. Merci Tatiana. Je t'en prie Carole. Ton baptême dans le Jourdain, Seigneur, nous montre l'adoration due à la Trinité. La voix du Père t'a rendu témoignage. Elle t'a nommé Fils bien-aimé et l'Esprit, sous la forme d'une colombe, a confirmé l'inébranlable vérité de cette parole. Christ Dieu, tu es apparu, tu as illuminé l'univers, gloire à toi. Célébré le 6 janvier, avec un décalage de 13 jours par les églises orthodoxes qui suivent l'ancien calendrier, la Théophanie est la grande fête du baptême du Christ sur les rives du Jourdain. Mais aussi et surtout, la manifestation du Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Le mot théophanie est d'origine grecque et signifie manifestation de Dieu. Elle est aussi, comme la nativité, une manifestation de la kénose divine, c'est-à-dire de l'humilité de Dieu. Le Verbe de Dieu, qui s'est fait chair, est baptisé par Jean le Précurseur, qui s'interroge devant la grandeur de ce mystère. Comment un serviteur peut-il imposer la main sur son Seigneur? À la théophanie, le Dieu invisible, inaccessible, devient visible et accessible en Christ. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils voudra le révéler. Matthieu 11, 27. Le Christ, là aussi, est au centre de l'icône. La terre s'ouvre en deux, comme dans l'icône de la descente aux enfers. Le Christ entouré du précurseur à gauche et de trois anges, image trinitaire, qui s'apprêtent à recevoir le Christ Eucharistie. Le Christ est nu car la théophanie est comme une nouvelle création de l'homme. C'est le nouvel Adam, le Christ qui rétablit en lui l'image originaire de l'ancien Adam, dont la beauté originelle a été ternie par le péché. La théophanie est aussi, il ne faut pas l'oublier, une sanctification de tout l'univers. Toute la nature est sanctifiée par la descente du Christ dans les eaux du Jourdain. D'où notre responsabilité aggravée en tant que chrétien, si on ne préserve pas la nature et l'environnement sanctifié par le Christ. Toute l'équipe de l'Orthodoxie, ici et maintenant, vous souhaite les meilleurs vœux pour les fêtes de fin d'année ainsi que pour 2014 et à la prochaine émission.